Qui es-tu? Tu es nous. Nous sommes des fleurs. Nous sommes de très jolies fleurs. Nous sommes des fleurs. Mon PHP, il nous reste 3 heures là. Qu'est-ce qu'on fait? On se met un petit truc? Ouais. Parce que ton son, ouais, non, c'est bon, t'inquiète, j'arrête. On se met Colinsta, ça a repris là. Ah ouais? La nouvelle saison. Oh, trop chaud. C'est ouf, trop chaud. Là. Bonsoir à tous, bienvenue en Bretagne, bienvenue au bout du monde, un des endroits les plus beaux de la planète. Ce littoral fut pourtant redouté par les navigateurs pour ses récifs carnassiers. Et il est devenu aujourd'hui un sanctuaire. Algues vertes, coquillages carnivores et grands prédateurs. Ces fonds marins exceptionnels regorgent de vie et de décors exotiques, avec leurs coraux saturés de couleurs flamboyantes. Les herbes des sables majestueuses cache encore d'ailleurs bien des espèces inconnues. Je suis ici sur le territoire des Vau, ce qui signifie 5 dans leur langage primitif. Ce peuple de pêcheurs-navigateurs est encore très attaché à son organisation tribale et ses traditions. C'est ici que nous allons retrouver 54 Français, venus du même endroit, qui vont vivre une aventure inoubliable. Ensemble, ils vont devoir affronter les éléments, déjouer les pièges de mère nature, et surtout, survivre aux autres, isolés, sur une plage perdue du Finistère. C'est ça, la loi impitoyable de Colinsta. Ils étaient 54, et il n'en restera plus qu'un à la fin de l'année. Les naufragés se découvrent, font connaissance, tous, sauf Mathieu. À peine arrivé, il s'est isolé dans un but bien précis. Discussion, tout ça, ça m'intéresse pas. Moi, je fais l'action, regardez. Ça, c'est de l'or, ça. C'est le Graal, ça. C'est de l'eau bénite. Ils sont pas prêts. Y'a pas de temps à perdre. Le temps, on l'a, on perd pas. On est là, on a la patate. Mathieu, on va l'analyser. Puis bah, si ça colle pas, on votera contre lui. Après cette arrivée mouvementée, un groupe se forme rapidement pour aller chercher cette précieuse source d'eau, dissimulée quelque part sur cette île paradisiaque. Tristan et Seb Gwell s'enfoncent dans la forêt à la découverte de leur nouvel environnement. Je suis vraiment heureux d'être avec mon nouvel ami Seb. Sa joie est communicative, elle me remplit de joie. Tu vois cette herbe derrière toi? Oui, chef! Et tu vas grimper? Oui, chef! Plus que ça! Maintenant, chef! Maintenant! Ah, j'y vais, chef! Allez! Ah. Allez! Ah, voilà, bon, qu'est-ce qu'il y a là-haut? T'as une branche! Tapis! Aïe! Bon, attends, tu redescends! Maintenant, chef! Maintenant, tu sautes! Ah. Et ça, l'amener! Ah, je me suis tordu la cheville, chef! T'as pas besoin de ta cheville pour faire des pompes! Mais si, chef! Maintenant, tu pompes! Non, chef! Maintenant! Ah. Et tu comptes! J'aime ça, hein. Avec lui, c'est un vrai plaisir. Maintenant, tu vas chercher du bois pour un feu de camp! Oui, chef! Et plus vite que ça! Mais pourquoi ils sont vraiment serviables, ces civils? Alors là, on va aller étudier la nature. Moi, j'ai passé vraiment longtemps à étudier tout ce qu'il fallait pour survivre ici. J'ai étudié, par exemple, toutes les plantes. Par exemple, ça, et bah, c'est une fougère. Je l'ai étudié. Et en fait, il se trouve que ça ne se mange pas. Et bah, ça, il fallait le savoir. Alors moi, ma devise dans la vie, comme dans mon métier et dans la survie, c'est mieux vaut prévenir que guérir. Moi, je suis venue ici pour le côté humain. Et puis surtout, bah, pour les produits exotiques, quoi. Ici, rien à voir avec les avocats tout moches de la France. Ici, on est là pour le produit, la beauté de la nature, la nourriture, la vraie. Moi, je suis là pour ce beau terroir. De retour au camp, Marion ramène toutes ses trouvailles et espère impressionner ses nouveaux amis. Super Marion, merci, c'est génial. Laisse-moi ça 2 secondes, histoire que je note. Tout ce petit manège semble intéresser le très réservé Laius. Cet homme mystérieux semble préparer discrètement son arrivée dans le groupe. Personnellement, le rôle de leader, ça m'effraie pas. Au contraire, ça m'excite. Donc maintenant, pas de dispersion. Je suis pas venu pour la survie. Focus sur la victoire, et je peux vous dire que je vais l'avoir. Pendant ce temps, un des 8 jeunes semble avoir des préoccupations différentes de celles de la vie du camp. J'ai étudié toutes les saisons. Et les vainqueurs, c'est vraiment, vraiment des champions. Ça change de Raoul à FIFA. Franchement, les mecs sont super entraînés. Et quand il y a l'entraînement, je sais faire. Si on a toujours le même casting, moi ça me... Allez, bon, on change, allez. Ça.
Non, pas ça, non, franchement pas ça. Non, c'est chaud. Ouah, Brice. Oh, oh, laisse. Tous les matins. Bonne vague, Axel. Ok les filles, allez. 1, 2, 3. Allez. Eh les filles, j'organise une soirée Foyce ce soir. Une soirée Foyce? C'est comme les blackouts du Tribeca, sauf que là c'est au Foyce que ça se passe. Cocktail toute la nuit, ambiance de folie, souvenir facultatif, toute chope définitive. Alors Axel, t'attends toujours ta wave? Ouais Jack, on sera un soirée Foyce ce soir. Ça te dirait de pas venir? Salut, ça va? Ça va! Bon, on est attendu pour dans 2 heures, est-ce qu'on se ferait pas un petit goûter? Ouais, moi je veux bien un petit thé, ouais. Allez, un petit goûter. Une crêpe? Ouais. Yot! Quoi, c'est pas moi, c'est pas moi! C'est moi, ça va, c'est moi, c'est Axel. Je peux pas le faire. Pourquoi tu prends doucement là? Je peux pas le faire, je peux pas le faire. Attends, quoi? Pourquoi? Tu me laisses pas tomber, hein? C'est toi qui m'as dit d'avoir un rêve. Et là, j'en ai un. Pour ça, j'ai besoin de thunes. De toi, quoi. Attends, Yot, ça glisse pas du tout là, c'est quoi ton rêve? Mais mec, j'ai envie qu'on fasse des campagnes de folie. Et pour ça, faut que tu gagnes la compète. Tu gagnes les 100 000, tu nous files 50 000, tu gardes 50 000 pour toi. Et nous on te rembourse quand on gagne quoi. Enfin, si on gagne. Moi, Brice, je trouve ça un peu lourd quand même comme humour. Hein. Oh, moi je trouve ça hyper drôle. Gaël, ouais. Non, mais moi je suis plus film d'action et tout. Film tu d'action. Connais pas Le Club des 5? Non. Il y a un nouvel épisode, Le Club des 5 en blackout, je vais te montrer. Bah ouais, on peut regarder. Hein. Il est dans sa chambre, le deux. Eh merde. Ouais, il est pas là, hein. T'as regardé au Foyce? Ouais, j'ai déjà regardé, il est pas là non plus. Bizarre, ça. On va regarder sur Maps. Où est-ce qu'ils sont, là? C'est même pas, mais... Quoi? Faut qu'on aille les chercher, vas-y, on y va. Eh, je peux te dire quand on va être trouvé où il en fait. Putain, je crois qu'on a blackout, les gars. Bon, maintenant, on arrête vos conneries et on retourne à la voiture et vous laissez l'appel ici. Oh, Maxime! Maxime, regarde comment t'es sapé, gros. Ah,
pas grave, allez les gars, j'ai tout ce qu'il faut dans la caisse. Allez, on bouge, on bouge, on bouge. Bon, allez, maintenant on rentre à la RDE là. Oh non, un café là. Ouais, un petit café, non, petit café. Non, allez, un café. Un café. Un petit café. Un café et on rentre. Ouais. Ouais. Bonjour. Bonjour. Sacré garçon. Bon, Victor, tu l'as un peu noyé quand même. Mais non, je ne voulais pas. Le bateau. Bonjour monsieur. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que par hasard vous auriez pas vu ces 5 individus ici présents, par exemple hier soir? Jamais vu de ma vie. C'est sûr que vous, je suis sûr c'est là. C'est sûr. Bon bah on va devoir retourner à l'Insta pour corriger ça. Hein. L'Insta par contre, ça me dit quelque chose. Il y a 2-3 ans, une bande de mecs fatigués sont passés me voir et m'ont laissé une bouteille pour une sorte de quête, chasse au trésor, un truc comme ça. Vous la voulez? Je l'ai là, ça me débarrassera. Oui. Oh ouais, ouais, ouais. Tenez, et bonne chance pour votre quête, ou je sais pas quoi. Merci monsieur. Merci monsieur. C'est normal, on rentre à l'Insta, qu'est-ce qu'on a à faire? De toute façon, on n'a pas le choix, hein. On n'a pas de réponse, mais on a une bouteille. On fait pas grand-chose avec une bouteille, hein. Jamais vous arrêtez de boire, rendez-moi la bouteille. Ah mais attends, je crois qu'il y a un truc là. Rendez-moi ça. Ouais, il y a vraiment quelque chose. Alors là, normalement, on devrait y être. Les gars, c'était là où on était ce matin? C'était vraiment là où on était ce matin. Ouais, bah c'était pas la pendure hein. Dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui se foutent des gueules et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Ouais. Bien, Coco. Ouais, salut. Ça va? Bon alors, hier soir? Blackout? Ouais, hier, Blackout, ouais, on s'est retrouvés au petit minou. En cherchant des souvenirs, on est tombé sur une vieille chasse au trésor. Improbable. Mais ouais. Ouais, par contre, bon, le trésor, il était un peu claqué en vrai, parce que bon, il y avait dedans, il y avait deux vieux gourdes mécaflu, trois biscuits pourris. Je pense que ça a été organisé en 1998 par des MCETA. Ah ouais, mais attends. Le trésor avait beau être pourri. Les mecs, c'est des légendes. Mais ouais. 21 ans après, quoi, tu trouves le trésor. Ouais. C'est génial. Imagine, on fait ça pendant les campagnes. Ouais, chou de ouf. Avec un énorme cadeau à la fin. Truc de malade. Ouais. Oh, les gars, je me demandais pour les campagnes, la chasse au trésor qu'on devait faire, le premier indice c'est toujours au castel ou. Bah, en fait, on était en train de le dire. Ouais. Oh non. Bon, allez, je ramène ça, moi. Ouais, ça marche. Oh, mais yeah, tu veux mettre le JT? Je voulais regarder les news. Ouais, ça marche, allez. Bon. Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous diffusons sur nos antennes, en exclusivité et en direct, le discours de notre presse. Mais avant tout, quelques titres de l'actualité. En effet, après 2 semaines de recherches intensives, nous avons enfin retrouvé les 3 aventuriers perdus en mer Bretonne. Ils tentaient de rallier les eaux pacifiques afin de participer à la dernière édition du jeu télévisé Colesta. Notre reporter sur place, Louise de Foucault, recueille leurs émotions.
Effectivement, dès que je suis sur place, écoutez, les naufragés sont sains et saufs, mais sont épuisés par leur long périple. J'ai une question que tout le monde se pose. Comment avez-vous fait pour survivre dans les conditions hostiles qui caractérisent les côtes bretonnes? C'est simple. Pour survivre, moi j'ai alterné entre ramer et nager. Vous savez, moi je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises alternances. Si je vais vous résumer mon périple aujourd'hui, Jacques, c'est tout d'abord des galères. On est encore arrivé où là? Et vous? Dans les TV, notre secteur Gouenou, et moi en train Armand Aurore, et Bigman, notre secteur Pava, Lichepont en Ezena, Arfa Kenta. Pouvez-vous me dire ce qu'il vient de dire? Vous savez, moi j'y comprends rien, je suis pas moi, je suis pas aidé. Qui que c'est, bon, voilà. Vous comprenez ce qu'il cause? Maudit Baratio, ouais. Il va encore nous casser les noyés. Comme nous le voyons ici, nous avons affaire à une équipe bien soudée. C'était Bus de Faucourt pour les studios Floralistes. Plutôt que le yoga pour se détendre, une bonne bière fraîche aux feuilles. Sans transition, l'allocution présidentielle. Oh, ciel! Ah oui, oui, oui. Ah. Mesdames et messieurs les étudiants. Mesdames et messieurs les ingénieurs esprit grand large. Mesdames et messieurs les fleurs. En m'adressant à vous aujourd'hui, j'ai conscience d'inaugurer un changement profond dans notre tradition anastasienne. Ce sont 1000 chemins différents qui nous ont conduits ici aujourd'hui, vous et moi, animés par le même désir de servir, nous en connaissons la source, ce simple amour du chreux. Mon mandat sera placé sous le signe des fleurs. Voyons la réalité en face. Tout n'est pas qu'une histoire de pâquerettes. Les forces de l'aliénation sont extrêmement puissantes. Aliénation des FIPA qui travaillent durant l'anté, mais ne vous inquiétez pas, l'anté c'est toute l'année. Aliénation des FIS, la nouvelle division du travail qui nous empêche d'honorer le FOIS. Aliénation aux jeunes prodiges en flûte de la RDE. Je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie. Ah, on me dit que les phares de la Ford 208 immatriculée BG054BP sont allumés sur le parking. Je reprends. Aliénation à l'huile aux pâtes aux cheveux. Aliénation à la crise économique faisant augmenter le prix de la bière aux feuilles. Aliénation à la caution sans cesse grandissante du pizza trad. Aliénation au micro en amphi qui ose grésiller durant notre sommeil et nous réveiller. Dans cette guerre qui a commencé depuis les pré-campagnes, nous avons bien conscience que l'ennemi use des moyens les plus vils pour essayer de gagner. Mais il n'est pas insaisissable. Je serai même plus précise encore. Il n'est pas hors d'atteinte. Vive l'Ensta, vive les campagnes, et vive Ensta. J'ai pas été transportée par, je sais pas, la musique. Il manquait d'un truc, là, il y avait pas de flow, il y avait pas de rythme, je sais pas. Vous étiez un peu nerveux, non? Cubain, c'est vraiment pas ce qu'on cherche ici en fait. Je sens que vous ne donnez pas à 100%. C'est dommage. C'est ta fameux 3 mois, fin comme un. Une heure? Mais oui. Mais attends, mais t'es sûr que c'est pas maintenant? Oh!